Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Comme vous avez pu le constater, je suis de retour en France. Et comme je suis de retour en France, ça veut dire que tout ce qui est guerre, Ukraine, poupou, tout ça me concerne. Quand j'étais en Afrique, tu penses que j'avais quelque chose à faire? Hein? Si ça explosait, on était loin. On allait danser le Mbalax, ensuite j'allais aller en Côte d'Ivoire danser le couplet décalé, et ensuite j'allais aller danser le Dombolo au Congo, et après j'allais aller danser au Cameroun, danser partout dans toute l'Afrique, bien sûr. Et tout le monde allait m'accueillir. Mais là, je suis de retour en Europe, et les bombas qui commencent à nous menacer, et c'est du grand n'importe quoi, parce que là, l'Europe, l'OTAN, elle continue à menacer Poupou. Et qu'est-ce qui se passe? Poupou, il a dit quoi? Il va commencer à couper l'électricité à toute l'Europe. Les menaces là qu'il disait il y a 2 mois, il va les mettre en action. Donc moi, j'ai des trucs à dire. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. L'autre, là, Zelalin, il fait n'importe quoi, lui. Comment ça, lui, il vient au festival de Cannes pour faire son discours? Heureusement que moi, j'étais pas là-bas. Hein. Parce que si j'étais là-bas, j'allais dire, alors là, mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir. Ou bien, ça a justement quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'il fout au festival de Cannes? Là-bas, c'est pas pour récompenser les acteurs? Hein? Et qu'est-ce qu'il était, lui, avant? Un acteur? Hein? Et donc lui, il passe au festival de Cannes et son peuple, ils sont d'accord avec lui. Le mec, il fait des vidéos pour tous les événements. Vas-y, il va envoyer des mails à tout le monde. Bientôt, on va voir des pubs de je sais pas quoi, de café. Et lui, il va apparaître sa tête. Ouais, venez nous aider. Il y a aucun rapport. Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi, ça. Il est fou, lui, ou quoi? Donc Zelalin, chaque opportunité où il y a des gens, il va mettre sa tête et il va dire, venez m'aider, quoi. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc maintenant, quand on va aller dans l'eau, on va plonger, hein, dans les bas-fonds, dans les abysses pour aller faire des recherches, il y aura Zelensky aussi qui sera posé là-bas. Venez m'aider, aider l'Ukraine. Mais c'est bon, on a compris. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Tu penses qu'on n'est pas déjà en train de vous aider là, avec le prix de tout qui est en train d'augmenter? Hein? Tu penses que c'est qui finance? Hein? Donc toi, nous, on vient faire la fête du cinéma, tu viens ramener ta tête, venez nous aider. Hein? Mais non, mais alors là, toi, je te dis tout de suite, tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer. Parce que là, déjà, nous, on se met en porte-à-faux. On t'envoie des trucs. Il y a Poupou qui regarde la France de manière, hey, commencez pas à faire les malins. Il y a la Finlande, il y a je sais pas quoi qui commence à dire que ouais, la Russie, je sais pas quoi. Et toi, tu viens, tu remets une couche. Hein? C'est bon, on en a marre. On en a marre. On veut plus vous aider. Moi, personnellement, voilà, on vous a assez aidé. Ça a été trop, là. Oh là là, on vous a tout donné. Tout donné, il arrête pas de se plaindre. Hein? C'est quoi ça? La main qui t'aide, faut arrêter de la critiquer. Hein. Tu comprends? Arrête de critiquer l'aide qu'on t'apporte. Prends l'aide et tu fermes ta bouche. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Tu vas, tu dis n'importe quoi sur les plateaux. Ouais, blablabla, on nous aide pas assez. Et puis tu vas dans les trucs qui n'ont rien à voir et tu dis, venez m'aider. Moi, je te dis tout de suite, hein, je suis de retour. Donc là, j'ai toutes les informations. Je vais les donner et les gens, ils vont voir la vérité. Tu comprends, Zélin? Tu comprends, Poupou? Bon, Poupou, quand je te dis tu comprends, c'est pas en mode menace. Hein. C'est en mode, voilà, je vais dire la vérité maintenant. Parce que voilà, j'étais en Afrique, je reviens, je vois qu'il n'y a rien qui a bougé, vous n'avez même pas comment entamer des discussions pour la paix. Hein? C'est quoi ça?